Brad Pitt, qui fête ses 59 ans ce dimanche 18 décembre, affirme souffrir d'un trouble rare. L'acteur d'Entretien avec un vampire et de Rencontre avec Joe Black, deux films disponibles sur Netflix, scène était confiée auprès du magazine GQ, en juin dernier. Ce dimanche 18 décembre, Brad Pitt célèbre ses 59 ans. Pour fêter cette nouvelle année de vie, les fans de l'acteur américain pourront se connecter sur leur compte Netflix et redécouvrir, ou découvrir si ce n'est pas déjà fait, des films devenus cultes et dans lesquels Brad Pitt tient l'un des rôles-titres, à l'image d'Entretien avec un vampire, de Rencontre avec Joe Black ou encore de Once Upon a Time. In Hollywood, le dernier Tarantino sorti en salle en 2019. Concernant son actualité plus récente, l'ex-mari d'Angelina Jolie, laquelle a d'ailleurs porté plainte contre lui le 4 octobre dernier pour violence commise contre elle et leurs enfants, sera prochainement à l'affiche du film Babylone, réalisé par Damien Chazelle, et dans lequel il donnera notamment la réplique à Margot Robbie et Tobey Maguire. Jeudi 15 décembre, Brad Pitt a d'ailleurs participé à l'avant-première du long-métrage dramatique à Los Angeles. Un type d'événement qui, traditionnellement, réunit un grand nombre de personnes. Ce qui a peut-être causé quelques soucis à Brad Pitt. En effet, le producteur affirme être atteint d'un trouble particulier, qui l'embarrasse lors de grands rassemblements. Une maladie neurologique qui l'embarrasse. Au cours d'une interview accordée au magazine GQ, et publiée en juin dernier, Brad Pitt a fait référence à ce problème qui le taraude surtout lors de fêtes. Il peine à se souvenir de nouvelles personnes et à les reconnaître lorsqu'il les croise de nouveau. Il craint même que le fait de ne pas avoir la mémoire des visages ne donne une impression négative de lui. Qu'il paraisse, aux yeux des autres, distant, inaccessible, voire égocentrique. S'il n'a jamais été officiellement diagnostiqué, Brad Pitt est persuadé de souffrir d'une maladie neurologique méconnue, la prosopagnosie, également connue sous le nom de cécité faciale. Les personnes atteintes par ce trouble éprouvent une difficulté ou une incapacité à reconnaître les visages des autres, voire le sien dans les cas les plus graves. Si est-il un mystère pour Brad Pitt, personne ne me croit. A-t-il lancé dans les colonnes de GQ en évoquant ce trouble. Avant d'ajouter, je veux rencontrer quelqu'un comme moi. Dans un précédent entretien pour le magazine américain Esquire, Brad Pitt avait déjà abordé cette souffrance de ne pas être capable de mettre un nom sur le visage de personnes avec lesquelles il avait pourtant eu une longue conversation au cours d'un événement. Tant de gens me détestent parce qu'ils pensent que je leur manque de respect. Ainsi est-il un mystère pour moi. Je vais me faire tester, a-t-il raconté. À cause de cette prosopagnosie, Brad Pitt a même admis préférer rester chez lui. Plus facile à dire qu'à faire, lui qui compte parmi les acteurs les plus connus et sollicités au monde. Article écrit en collaboration avec 6 Media. À lire aussi Brad Pitt, ce rôle dans lequel vous ne l'attendiez pas.